Katsu. Mesdames et messieurs, criez, 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 faites du bruit, encouragez-les. Mes amis, applaudissez, applaudissez. Ça c'est qu'on va y danser là, qu'on va y danser. Est-ce que ça va? Est-ce que nous t'es content? Donc nous avec qui gens que jeunes yo mélanger culture. Ouais, yo on gens, yo mixel, yo mettez hip hop là-dedans, yo mettez dancehall là-dedans, yo mettez soca là-dedans, et yo mettez compas là-dedans. C'est ça qui fait que génération à l'étranger a yo vinn maintenant plus dans culture non parce que yo ajouté un bagage là-dedans. Donc ce soir, cette soirée a été organisée, initiée, coordonnée par l'association LESA. Donc ce soir, cette association, ils ont voulu remercier certaines personnes qui ont toujours été aux côtés de la communauté haïtienne. Donc j'invite sur ce podium Martine Beldor qui va faire une présentation ce soir. Martine, si elle est là. Donc, l'association voulait cette année honorer des personnes qui ont contribué à ce que les manifestations, tout ce que réalise l'association LESA, des gens qui se mettent à leur côté pour que ça soit une réalité à chaque fois. Donc, il y a Martine qui va venir présenter, je ne sais pas si c'est elle qui va présenter le cadeau, mais je sais qu'elle va peut-être appeler une personne pour faire cette présentation. Voilà, applaudissez mesdames et messieurs Martine Beldor. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci d'être venus nombreux à ces festivités donc, du drapeau. Cette année, nous fêtons donc, le 214e anniversaire du drapeau et nous sommes très fiers d'être ici avec vous. Donc merci encore une fois, cher président de la collectivité. Merci pour votre soutien. Merci infiniment. Alors, cette année, l'association LESA voulait reconnaître et honorer les personnes qui contribuent au succès de leur événement. Que ce soit les fêtes du drapeau, auxquelles vous êtes si nombreux à y assister, ou encore des actions d'intérêt public, telles que la récolte de denrées alimentaires pour les sinistrés d'Haïti, que nous avons distribuées l'année dernière. Ce fut un véritable succès, encore une fois. Donc, ou encore des récolte de fournitures scolaires pour les enfants défavorisés que nous réalisons de temps en temps. Donc, pour toutes ces actions, pour dérouler toutes ces actions, nous avons deux gros, disons, donateurs qui sont toujours là avec nous d'année en année. Nous vous remercions et nous voulions vous dire du fond du cœur merci d'être avec nous. Donc, dans un premier temps, puisque le président ne peut pas monter sur scène tout de suite. Donc, je vais
appelé Monsieur Mesmin Élise de Change Caraïbes. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Moi, moi, une saisie sans parole, sauf coupé, qu'est moins femme, posez-y-moi, posez-y-moi. Encore ton yo, allez, qui vous méritez, ou pas tes doigts levés, ou pas tes doigts l'idée, mais c'est fierté ou gagné, pas laisser yo blesser. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Bonne fête du drapeau. Avant tout, je voudrais vous remercier pour le soutien que vous nous apportez aussi à Change Caraïbes et à Global Transfer. Et nous, de notre côté, on vous assure de notre soutien. Merci pour la reconnaissance. Merci encore. Bonne soirée et bonne fête du drapeau. Juste une information. Pour la fête des mères, à Global Transfer, nous avons prévu un jour pour la fête des mères, donc qui se déroulera de lundi à mercredi. Alors, toutes les mères qui feront un transfert entre lundi et mercredi seront tirées au sort pour un cadeau pour la fête des mères. Le prix à gagner, premier prix, un four micro-ondes, un bouquet de fleurs. Deuxième lot, un bouquet de fleurs. Troisième lot, un bouquet de fleurs. Le tirage au sort, vu que jeudi et samedi sont fériés, le tirage au sort aura lieu le lundi 29, après la fête des mères. Mais comme c'est toujours la fête des mères, on continuera à fêter la fête des mères avec Global Transfer. Voilà, mesdames et messieurs, applaudissez s'il vous plaît, monsieur Change Caraïbes. Voilà, Change Caraïbes. Donc, nous allons continuer avec les remerciements. Merci, Topi. Merci beaucoup. Et pour finir, donc, nous voulions également décerner une plaque honorifique à une personne qui nous soutient constamment. Et on le remercie infiniment pour son soutien considérable, ainsi que pour ses constantes contributions. Donc, je vais appeler sur scène M. Hervé Dorville. Monsieur Hervé Dorville, s'il vous plaît. On prend pas timide là. Et puis, mesdames et messieurs, n'importe monde qui gagne une voiture 4962 Getz, il est bloqué au monde dehors. À le déplacer, s'il vous plaît. Getz 4962, il est bloqué au monde dehors. S'il vous plaît, à le déplacer pour nous, s'il vous plaît. Donc, quelques mots de M. Hervé Dorville, quand même. Merci, Topi. Bonsoir à tout le monde qui est là. En forme. Ben, ça m'a dit, je m'a dit, Martine, à toute association les arts, nous n'avons pas besoin de nommer un homme, les mafons bagailles. Nous connaissons qui j'aime mieux, nous faisons parce que c'est une opportunité ce matin, bon, et à chaque fois que j'ai l'occasion de remercier le peuple, nous faisons. Donc, moi, c'est avec beaucoup d'honneur, nous remercions nous pour geste ça. Mais plus on nous fait moins, c'est avec dernière élection, les moins peuple haïtien sorti et nous fait ça pour nous te faire. Ça, c'est plus bel cadeau nous fait moins en tant que ressortissant la communauté haïtienne qui fête ce matin et qui réussit ce matin. Donc, message là, message pendant la fête de la ça, c'est continuer, croire dans Timoun nous. Si Hervé Dorville réussit ce matin, Timoun pas nous qui a réussi tout. Attendez? Ciao. Bonne soirée. Et voilà, mesdames et messieurs, Hervé Dorville. Donc, nous allons continuer avec le programme dans Soya. Ce soir, nous avons une petite exposition des produits La Caille. Donc, peut-être que vous en avez déjà vu, mais je vous promets que vous n'en avez pas tout vu.
parce que c'est très très vaste les produits Lakay. Donc ce soir j'appelle Ricardo Fils qui va venir vous présenter cette exposition ce soir. Monsieur Ricardo Fils, s'il est quelque part dans la salle. Monsieur Ricardo. Voilà, mesdames et messieurs. C'est ce jeune qui va vous présenter les produits qu'est réalisé des artisans de chez nous. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre déplacement et votre participation à l'occasion du fait du drapeau. Et nous t'a remis présenter nous quelques produits locaux et qui sont vraiment intéressants. Et avant nous aller, nous t'a souhaité nous passer sous table. Hein, et comme ça, nous sommes capables de reproduire. Et si il a là de nous intéresser, nous comme ça, nous capables de partir avec nous. Et nous t'a souhaité nous chaque là, avant de nous déplacer, nous t'a mettre un petit drapeau qui coûte $3. Nous sommes capables de prendre en main, comme ça, nous encourager les produits locaux. Merci et bonne soirée. Alors, Ricardo, en font partie, il faut dire Mounio, qui ça a représenté? Est-ce que sont tes zombies ou mettez les têtes en bas? Qui ça a représenté? Et normalement, ça c'est une sculpture Lakay que nous-mêmes nous avons mis en main, qui a représenté. Et Tilam ça, ça a longtemps de Noël. Je me souviens, moi, Tilam ça, l'homme de 6 ans, et nous pas ouel encore. Et je me nous prenons ça comme nous sommes capables de garder comme un souvenir. Merci. Alors, Tilam ça, yo. Qui est ce monde qui garde? Mais Renaud, qu'est-ce que là? Qui est ce monde qui garde une qui est enterré les tilam ça en Haïti? Regardez. Alors, si jeune ça, pas qu'on est parce que yo trop jeune. Donc nous-mêmes nous connaissons l'entête guidap. Monsieur Sopi, on a continué. Monsieur Renaud a fait des ordres là, Didier Renaud. Et Didier Renaud, le plus grand Didier. Des Didier de Saint-Martin, monsieur Didier Renaud, applaudissez monsieur Didier Renaud. Et toi, Picotoy, oula, ça nous va bien là, qu'on y a là. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons continuer ce soir avec notre programmation. Donc, nous avons une jeune dame qui a préparé une danse pour nous ce soir. Elle va vous danser avec la robe du drapeau haïtien. Elle s'est bien préparée. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous allons accueillir ce soir ici Mademoiselle Mikensia Lavo qui va vous faire une danse. Une danse ce soir avec Mikensia Lavo. Donc, je crois qu'elle ne m'a pas entendu. Est-ce que vous allez m'aider ce soir? Vous allez m'aider? Est-ce qu'on appelle aidez-moi les Mikensia ce soir? Rele Mikensia, 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 Mikensia. Haïti chérie,
Bonsoir tout le monde qui l'a souhaité. Ça a passé. M'attendez-nous. Ça a passé. Moi connais nous remet drapeau pays en pile. Par contre, moi connais aussi en pile dans nous. Par contre, qui misère drapeau ça t'est passé. Parce que avant pour nous t'ai ici joindre drapeau ça que nous ouais là que m'a porté à soya avec en pile fierté nous passer en pile misère pour nous capables river joindre drapeau ça. Donc moi pour le présenter nous en image qui côté drapeau haïtien sorti pour y river côté nous est jodi. Est-ce que nous prêts? Alors, en 1797, nous tous connaissons que c'était drapeau français qui a flotté sous pays. Donc, moi pas besoin de montrer, nous connaissons déjà, même quand même, mettez-le pour Noël. Donc, en 1803, drapeau ça, c'était symbole union mulatio avec peuple noir pour lutter, pour sortir en bas esclavage. Et en même temps, drapeau a été changé. Yo te décidé marquer liberté. Liberté où? Parce que nous te voulons sortir en bas esclavage. En 1804, Jean-Jacques Dessalines est venu un empereur. Et il a décidé un drapeau rouge et noir. Rouge pour liberté et noir pour sans ancêtre qui t'est coulé pour nous. Donc, drapeau A, c'est comme ça l'ITEYE en 1804. En 1805, Dessalines est venu en poids et il était décidé. Drapeau ça, c'était rouge et noir. En 1806, l'ayo assassiné Jean-Jacques Dessalines. Pétion reprend drapeau bleu et rouge là et ajouté armoirie là au milieu. Et drapeau ça flottait sous palais national là pendant 158 l'année. Est-ce que nous reconnaissons lui? Est-ce que nous reconnaissons lui? Après 1806, même si drapeau était comme ça, il était décidé de changer encore. En 1811, drapeau ça, c'était le général Henri Christophe Théoua en Haïti. Au milieu, tu as gagné une couronne et emblème ça. Parce que les lui-même était venu noir, il a décidé de changer. Mais il faut nous connaître chaque les drapeau ça a changé. C'était guerre, c'était en pile sang qui t'est coulé. C'est pour ça que je dis à fond toujours qu'il y a une fierté nous pour drapeau. En 1849, empereur Faustin Soulouk t'a retiré à Moiria, c'est-à-dire Palmière, pour le mettre en écusson. Et pour continuer, en 1964, François Duvalier, que nous connaissons les Papadoc, qui était président, lui reprend drapeau noir et rouge là, et pouvoir, lui passer pouvoir à petit li, Jean-Claude Duvalier. En 1986, les Jean-Claude Duvalier quittaient pouvoir ça, toute nation a décidé de reprendre drapeau que nous avons gagné jeudi. La voici. Donc maintenant, pour ce drapeau que j'aime tant, mon pays Haïti chéri, le pays que je suis fière d'être haïtienne, j'ai décidé ce soir de dédier un poème à mon drapeau, à mon pays, à tous les Haïtiens, vous qui êtes là ce soir, les autres qui sont devant leur écran d'ordinateur, devant leur télévision et partout dans le monde entier. Je vous dis bonne fête du drapeau haïtien.
Au drapeau de mon pays, je dis bonsoir. Notre drapeau est le plus grand symbole qui représente notre fierté, notre dignité et notre identité. Au drapeau de mon pays, je dis honneur. Dessalines s'est battu pour avoir un pays indépendant. Il a donné son sang pour que nous nous mettions tous ensemble, pour que nous soyons libres et pouvoir vivre dans l'union. L'union fait la force. Au drapeau de mon pays, je dis respect. Et je répète, je dis respect au drapeau de mon pays. Le drapeau haïtien comporte de grandes significations, telles que la réconciliation, l'existence de l'État, de notre pays en tant qu'État, l'unité nationale, la souveraineté nationale, mais surtout l'indépendance de la première République noire et fière de l'être. La dernière signification que je vais citer est liberté. Chaque fois que nous voyons flotter le drapeau haïtien, il représente l'effort et les sacrifices consentis par nos ancêtres pour vivre libre ou mourir. Aux ancêtres, au drapeau, de mon pays, de votre pays, de notre pays, nous disons merci. Sur le drapeau de mon pays, je lis bonheur, respect, honneur, fierté et l'amour de notre culture et notre origine. Que Dieu protège Haïti et protège notre drapeau. Vive Haïti! Vive le drapeau haïtien! Applaudissez encore une fois, mesdames et messieurs. Mikensia Lavo. Est-ce que nous t'avons suivi? Est-ce que nous t'avons suivi? Ok, qui ça n'est qui a écrit dans le drapeau? Là, il a été fin chiré parti blanc qui dans le drapeau. Ça a été écrit. Ah, gen moun nan Kayla, oui, gen moun nan Kayla. Kayla gen moun la dan. Ok, ok, combien de temps après de Saline fin mouri? Combien de temps drapeau arrêté la flotte, les tous intérêts mettez là, rouge et bleu? Combien de temps? Oui, 158 ans. C'est ça. Voilà, donc, femme dit non, pour m'ajouter un petit peu dans ça, Mikensia, Sotfea, drapeau ça, c'est un gros bataille pété dans pleine cul de sac à la caille. Et puis, esclavio, l'armée indigène, non, si monsieur vient gagner bataille là. Elle est fini, ça yo fait yo retirer parti qui blanc parce que yo était toujours un tricolore là qui c'est drapeau français là qui c'est bleu blanc rouge. Yo racheté parti qui blanc, yo dit yo collé deux parties ensemble. Mais t'es une dame qui était là, qui était décidé que le prendre coup de drapeau là. Mesdames, est-ce que gon moun là qui connait non dame ça qui te prend? Nous connait nous qu'on ça que fait Catherine Flon te vienne mélanger dans bagaille là. Catherine Flon mélanger dans bagaille là parce que il était fille de Saline. Donc de Saline, c'était parrain Catherine. Donc c'est pour ça que Catherine était dans les parages et c'est pour ça que Catherine c'est lui-même qui te coupe drapeau là. La fini m'a dit non bagaille. Pendant que n'a pas petit short, yo pas faire des ordres, n'a bien pour tout le monde. Son gros qu'est-ce qu'il y a là? Et ça n'a dit monde. Nous pas faire un défilé de Carabella. Est-ce que nous connaissons Rob Carabella ça? Combien de monde qui connaît Rob Steel, Rob Carabella? D'accord. Donc Carabella, c'est un Rob que la paysannerie haïtienne quand mettait sur eux. Donc nous demandé une petite musique assez douce côté que la fille va commencer à défiler avec les Rob de Carabella et que nous allons commencer à nous parler non, de Rob ça. Monsieur Tampi. Donc il faut bien préciser que ça nous tout trois Rob qui était sous Mikensia talé c'est pas tenue traditionnelle nous faut nous pas mélanger bagaille yo tenue traditionnelle nous c'est kounya c'est présentation ça qui va le faire là kounya ça c'est
C'est ça qui est tenu traditionnel, nous. On suit. Pendant que madame vient passer là, on a demandé pour applaudir pour moi, s'il vous plaît. Allez, DJ. Moi, on vient saisir sans parole, sauf couper, qu'est moins femme. Posez-y-moi, posez-y-moi. En carton, yo, allez, me dis où m'éviter. Ou pas tes doigts lever, ou pas tes doigts l'idée, mais c'est fierté ou gagner. Pas laisser yo blesser. Voilà, mesdames et messieurs, tenue traditionnelle. Applaudissez, mesdames et messieurs. Applaudissez, il fait fort quand même. Oui, nous avons l'autre sexy encore. Vraie représentation. Applaudissez, mesdames et messieurs. Ça c'est mesdames ça qui te connent bay paillettes dans l'époque yo. Mesdames ça te connent craser pays ya. La vie pas fini. Et oui, une jeune demoiselle. Changement qu'a fini. Haïti. Applaudissez mesdames et messieurs. La vie pas fini. Voilà. Et oui, mesdames et messieurs, les trois ensemble. Jacques Mel Thomas, 15 coffres, l'homme ou cas, mon témoin, pour ça qui près, pour ça qui loin. Notre tenue traditionnelle. Fatigué, représenté par ces trois dames.